Salut à tous, donc c'est Gamesy. Maintenant on est parti du Duo Truck Simulator 2. Alors c'est pas moi qui vais rejoindre, c'est ma cousine qui salue. Salut. Donc on va transporter des tracteurs, je crois. Donc on va regarder ça, on va bien s'assurer. Alors tracteurs, alors je peux ouvrir mon cabinet de voyance. C'est là que je rigole. Alors on doit livrer à Trinzinet. Attendu entre dimanche 9h12 et dimanche 13h. T'en restant 5h. Ok, donc c'est bon. Alors, je remets la carte. Et c'est bon. Alors. Oui, j'ai des petits trucs à vous faire pour revenir. Mais on laisse bien le temps de partir. Alors là maintenant c'est 100% connu. Elle m'a dit qu'elle aime pas passer de vitesse. Non, franchement bravo. Ralentis s'il te plaît, je ne peux pas continuer la course. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors j'espère qu'elle va conduire bien, j'espère qu'elle va conduire bien pour la dernière fois, parce que cette fois-ci là, je lui ai donné tout le voyage pauvre d'elle. En tout cas, moi c'est ma soeur, ça ne me dérange pas. Ça me fait du repos. Alors excusez-moi. Donc, j'ai deux textes, je ne sais pas pourquoi commencer. Alors j'ai un petit truc à vous dire, une petite introduction. Ce que je fais c'est la musique parce que le fait qu'elle passe par une vitesse, ça va beaucoup vous coûter vos oreilles. Alors allez, on un petit peu, c'est trop grave. Alors oui, donc on va commencer sur les kidnappeurs. Nous avons connu une période comme ça, vous le savez peut-être. Alors, je vais vous afficher. Alors, ça commence. Nous les Français, nous avons eu 4 otages retenus au Mali. Non, mais nous on parle de la France là et ceux qui ont été libérés il n'y a pas longtemps. C'est d'eux que je parle. Tout sur le trottoir là. Alors, continuons. Alors, Don, Thierry Doll et Pierre Legrand. Et les trois autres. Non, les deux autres, excusez-moi. Ça a été dur pour nous, les Français. 3 ans avec des conditions de vie très agréables, voire pas du tout, comme des otages. Alors, le camion est obligé de ne pas accélérer parce qu'elle rétrograde pas. Mais freine, tu vois pas que tu recules? Accélère, la chauffe. Voilà. Alors, tu vois, tu m'as même fait perdre mon truc. Ah, voilà. Ils ont dû souffrir pendant ces 3 ans. Difficile pour eux, car il faisait chaud. On ne peut pas s'échapper aussi, car ils étaient surveillés. Mais regarde ce que tu fais, regarde ça, tu es coincé là, oh c'est pas possible, t'as pas une conduite ou quoi? Oh regardez ça, notre premier accident. À cause de qui c'est pas Gamesy.
Donc alors, je disais, ça a été dur pour eux, car ils étaient surveillés avec des fusils, moindre tentative, moi j'ai dit moindre tentative de partir. On peut les mitrailler. Et ouais, ça a été très très dur pour eux, car on ne pouvait pas s'échapper. Ce serait, s'ils avaient réussi, ce serait difficile pour eux. Donc, voilà, ils ont préféré ne pas s'échapper. Et voilà. Donc, une fois, la France n'a pas payé caution. Les otages, les kidnappeurs les ont libérés. Donc, moi, je ne sais pas, mais moi, je sais juste faire l'état. On n'a pas donné d'argent. Et ouais, c'est la vie. Et aussi, on va parler un peu du racketage que les établissements scolaires. Enfin, les racketages n'ont pas de lieu. Dans la tête de la culture. Il n'y a rien dans sa tête, c'est racketter les gens. Donc, je vous disais, dans la tête du racketteur, il n'y a rien à part racketter. Vous avez une petite bague, un truc, un bout de vol. Vous imaginez, on vous aurait tué la bague. Maintenant, faut faire avec, vous savez. C'est la vie. Enfin, c'est pas la vie. Enfin, je pense que je vais faire la moitié parce que. Je vais faire la moitié de la tarité à. 90. Je vais faire la moitié parce que je sais pas si on continue à cette allure, on sera là pour dimanche. On fait pas dans le jeu, dans la vie réelle. Alors, un accident en Corée. C'est clair, on s'imagine pas qu'il s'est conduit. Et voici pourquoi je vais faire 90 km. Non, je vais me donner à 100, ce sera mieux. Thank you.
Excusez-moi. On va faire un petit plein, même si on n'est pas trop descendu de l'essence. Mais bon, c'est pas grave. De ce qu'elle veut avec vous, parce que moi je vais conduire, je vais pas pour vous expliquer quoi que ce soit. On va voir pourquoi ça fait des accidents en dodo. Alors, Game Sim prend sa place, ce pilote de rallye professionnel. Alors, c'est moi, il a fait notre plein. On va faire moins de temps. Alors oui, je voulais vous dire, j'ai trouvé aussi pourquoi ça buguait. Parce que moi, intelligent comme moi. Oh là là, allez les camions, laisse-moi passer. Merci. Intelligent comme moi, j'ai été mettre le Fraps. Moi je dis Fraps. Action. À 25 images par seconde. Or que là, c'est pas réglo. Et ça va tout à fait bugger. Donc j'ai pu. Je me trouve à chaque fois que j'ai mis ça. Donc j'ai fait pour le régler à 30 ou 35 images par seconde. Ce qui est cool. Ce qui donne quelque chose de totalement fluide. Bon, mais si je vais vous montrer les autres vidéos, franchement, vous allez me dire, oh, mais c'est pas bon, tout ça. Et c'est là que je vais voir les pouces rouges défiler. Merci pour ceux qui mettent les pouces verts. Bonus à vous. Et aussi pour comment ça s'appelle le truc là que je vous dis. Ah non, je vais pas vous en parler. Désolé, mais c'était la surprise qui doit arriver comme jeu. J'ai pas le droit de vous dire. Regardez ma langue a failli partir. J'ai failli vous le dire. Je serais bien fâché contre moi. En tout cas, je vais en parler tout à l'heure. En plus, dans ce jeu-là, juste les 10 encore, on peut jouer à 2. Ce qui va nous faciliter la tâche. Oups, j'ai honte. Un autobus nous dépasse. Alors, on fonce.
Alors, 100, mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'un mur dépasse pas 90. Surtout chargé comme on l'est là. Alors désolé pour le bruit derrière. C'était vite fait, bien fait. Oh la route elle est moche. Alors, on est presque arrivé. Je pense que j'avais récupéré quand même mon Iveco pour le conduire un petit moment parce que il me manque. Mon petit Iveco, il me manque. MDR. Et oui, j'ai une astuce pour hausser le camion un peu, mais sans mode, sans rien. Je vais vous montrer dans un feu tout à l'heure. Juste avec le frein et l'accélérateur. Et il se rebaisse pas, j'ai fait l'expérience, il se rebaisse pas. Enfin, il se rebaisse que quand on freine. Brutalement. Bon, je pense que la prochaine vidéo, je vais vous mettre quand même un fond musical. Alors, le client souhaite se renseigner les gens dans les meilleurs délais. Mais on est presque arrivé, pas besoin de persécuter. Donc, je vais aller éteindre cette musique-là parce que on ne pourra pas du tout pendant ce voyage. La musique et moi, c'est. On n'est pas copains. Voilà. Elle était partie, elle faisait un tableau, je vous assure. Qu'y a-t-il? Pendant que je trouve pas de sujet pour parler. Alors là, on a payé 24 euros. De plusieurs jours, je vais. Bon, alors le sujet là, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Perso, j'ai hâte qu'il a. Après, il y aura peut-être notre jeu, mais c'est les conventions. En fait, il y aura un autre jeu, mais il sera pas encore là pour l'instant. Ça va l'agréer. Peut-être vers, peut-être décembre. Mais sinon, vous aurez l'autre jeu, vous allez l'aimer. On peut jouer à voilà, deux. Et franchement, il est incroyable. Et un autre 10. Tous les gamers le font. Donc allez sur des pages de Danger, Galax, etc. Et on verra. Vous me dites en privé. Et je vous dirai si c'est ça ou pas. Et encore, si je dois vous répondre. Donc je pense que ce qui va arriver soit la semaine prochaine ou l'autre semaine. Là c'est sûr parce que j'ai changé le micro. Et le refroidisseur, il est à point.
il est en préparation, je l'ai regardé aujourd'hui, il est en préparation. Comment ça s'appelle? Le transport, c'est quand même une semaine. C'est vite fait. Une semaine. Non, mais ça doit faire des bêtises là. C'est vraiment un bouchon à lait. Franchement, je ne vous dis pas. Elle fait que des bêtises. On fait mettre une petite musique. Si t'as du section d'assaut. Alors, dans les prochaines vidéos, je vous réserve du section d'assaut du Max Mobile. Du. Un paquet rosé. Comment il s'appelle? Layana. Stony. Non, mais Stony, après, nous, nous sommes des Antilles. Mais on vit en France. Alors, on peut encore l'expliquer le créole, mais c'est bon. Bague-moi. Mais c'est pas grave. On va vous promettre beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance dans les prochaines vidéos avec GameSim. Du Stromae. Et j'allais. Ah, mais nous, du Stromae. C'est là qu'elle va porter. Formidable. Mais formidable. Nous étions formidables. Je déconne. T'as pas YouTube? En attendant, j'ai mis ça. C'est quoi? Laisse ça, laisse ça. Bon, Étienne, je pense qu'on va. Je vais mettre sur l'ordinateur et je vais faire passer par le jeu directement. Parce que ce serait une mauvaise qualité au niveau de l'eau-parleur. Parce que l'eau-parleur. Ce n'est pas quelque chose de bon sur mon PC. Et comme je vous dis, mon micro, il va arriver. Ce micro, quoi. Un microphone, je ne sais pas trop quoi. Donc, et mon refroidisseur aussi va arriver. Ce qui va arrêter de nous faire entendre le bruit du ventilateur de mon PC. C'est très chiant. Je vous assure. Je vous conseille d'acheter un PC Acer parce que Acer c'est ventilateur, on n'entend même pas. On dirait même que c'est la ventilation naturelle. Ah, aussi du Zao, de la Fouine. Fouine baby. Ah ouais, eh ben, j'ai complètement oublié de vous montrer comment on regarde sur le camion. Je vais vous montrer à l'arrière. Écoutez. Mon Dieu, ça m'attire. Bon, j'arrête. Non, d'accord, on a taré. Game Sim arrête. Non, n'arrête pas la chanson. Moi, j'arrête de chanter. Oui, mais vous inquiétez pas, je chante très bien. Ça dit quoi? Quoi? Je chante la gorge, j'aime bien. Après ça, on met un bêlage, je me tire. Si tu me tires, je pense pas qu'il voit après parce que après ça, je dépose, quand je garde la remorque, je leur montre juste le truc et il y aura pas d'après. Peut-être que si la vidéo elle doit se mettre en ligne, vite fait, on fera une autre. Non, alors on va se garer avec les rétro comme en fait avec se garer avec les rétro, c'est quand même une nouveauté. On va chercher un petit peu de fer comme nous avons. Alors là on m'empêche de vendre, je vais sans mon plan.
Alex Théo. Donc c'est professeur. Mais qu'est-ce que cette remorque là me fait? Alors, je vous propose de rentrer ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, franchement, là, c'est ma gasse. Je le vois plus tout. Alors, j'ai pas fait de vidéo du tout dans cette semaine. Je suis pas sans étier. En peine. Mais voici, j'ai repris mon activité. Ne touche pas la remorque. Mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, si c'est parce que je fais plus de vidéos, je... En fait, pas que je fais plus, j'ai le CNS qui est trop lourd de son cœur, tu le vois, c'est... Donc, alors, on est rentré là, mais on va s'arranger un peu, on va s'aligner quand même. Voilà, c'est bon. Alors, on va pas faire plus. Alors, bon travail. Bon, d'accord. Oui, je sais que ce sera bon travail, vu que la pub, c'est ma remorque. Pénalité de 1%, ok. Il n'y a pas de problème, donc on va faire continuer. On va aller dans une aire de repos. Produire. 8-9. Désolé, 8-9 c'est. Alors, je vois qu'il y a une aire de repos tout près. Je vais y aller. Alors là, c'est la version ralentie. Alors j'espère que là, c'est pour le camion. Alors oui, là, c'est pour le camion. Alors on va faire un truc. Même pas, c'est pas pour le camion. Et c'est où l'air de repos en soi possible. Alors si elle est là demain, si Dieu veut, je peux faire une vidéo avec elle. Non, ce n'est pas la vidéo. Ok, c'est vraiment dommage, mais c'est très bon. Non, ça que je vais là. Alors désolé si c'est de la mauvaise qualité la chanson, c'est parce que je pense que ce n'est pas de l'ordre. Je vais essayer de vous le mettre en miniature.
Alors là, je vois qu'il y a un concessionnaire. Alors c'est pas grave, faut pas prendre une course à voiture là parce que... Ah même pas, vous allez pas devenir une course à voiture, on a fait peu de chance. Alors l'hôtel est là, en marron. Je passe un peu devant ce camion là. Alors là, je vais pas l'autre de mettre l'introduction parce que j'ai besoin de la mettre en ligne assez vite. Enfin, oui, je vais mettre ce que je vois. Ça revient à la même chose, je vais mettre l'introduction. Alors là, c'est le grand vieux. Je vais vous montrer aussi comment on ouvre ce camion. Voilà. On met le camion premier, on appuie sur le frein et on accélère un peu. Ah non, pour ce camion là, ça fait conduire. Donc non, ça fait pas. Donc c'est pas grave, on se retrouve après avec Game Scene. Bye.